Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 86 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Serious Sam 3. Pour ceux qui connaissent Serious Sam, vous allez voir, c'est un jeu de FPS et d'action en même temps. Surtout d'action, hein. On tire et on bouge beaucoup. Alors là, ça charge. C'est peut-être un petit peu long. Chargement du jeu. Allez. Donc on a la petite affiche Crow Team. Devolver. Digital. C'est pas très intéressant, mais pour ceux qui s'intéressent un peu aux développeurs en général, ils peuvent savoir à peu près, voilà, Serious Engine. Alors apparemment, ils ont leur propre moteur de graphique. By the middle of Serious the Thing. 21st Alors je vous laisse century, l'histoire. having bled Earth dry, mankind was on the verge of collapse. Then a startling discovery was made. Beneath the sands of the earliest known human civilization, traces of another, even more ancient, but technologically advanced civilization are uncovered. The profound scientific implications of this discovery would lead humankind to the far reaches of the universe. Everything seemed perfect. But perfect never lasts. Without warning, the Earth was attacked by a chaotic horde of marauding aliens. Within 3 years, humankind was staring into the face of its own annihilation. In desperation, the world leaders turned to their last chance, an ancient artifact called the Time Lock. They believed this relic from a long-forgotten race was a portal to a point in ancient history and their only chance for survival. If only they knew how to turn it on. Donc voilà pour l'introduction. Alors, c'est un monde envahi d'aliens, hein, tout simplement. Et on va faire un peu de sauvetage, de mission. Alors, joueur unique, on va faire un mode campagne. Et on va faire une nouvelle partie. Je raconte n'importe quoi. Niveau de l'épisode, ben, on va le choisir, le premier. Et on va se mettre en mode touriste, hein. Retenez bien qu'on va se mettre en mode touriste. Regardez, il y a difficile, sérieux, folie. Donc il y a un sacré paquet de modes et nous on va plutôt passer en mode touriste. Voilà. L'été au Caire. Est-ce que vous allez vous apercevoir que le jeu, même en mode touriste, est déjà bien costaud. J'imagine même pas ce que ça va être en mode. Ouais, je vais vous laisser voir par vous-même. Alors le chargement qui est toujours un petit peu long. Allez. Bah, on apprécie quand même l'animation en chargement. Ça fait plutôt joli, c'est pas fixe au moins. Allez, presque fini, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Continuez enregistrement. Continuez. On va aller voir. Donc peut-être une vidéo d'introduction. Ouais. Switch to surface scanning. Surface scanning on. Activity nominal. What? No hospitality today? We have contact. 2 o'clock. Closing in. Sit tight. We got company. Jesus Christ! I can't believe I'm out in the shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now. Man, I hope you got me a good present, Stone. All right, Alpha. Listen up. Bravo team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0900 hours. Mensa wants to fry the Earth, and we're protecting a museum? This guy thinks he can figure out how to power up the time lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns do. Whatever. Time machine or no, Bravo's out there alone. We get in there, we recon Bravo, we go home. If everything goes tits up, the professor is our top priority. Are we clear? Clear as gnar shit. Rodriguez? Warning. 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 We've got incoming. Take evasive action. Freaking right, hold on.
Let's hope they can read a map. Donc ça y est, on a le contrôle de la du personnage. Donc voilà, on s'est crashé un hélicoptère. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oula, déjà on a un gros monstre qui nous arrive sur la tronche, on a rien compris. Hop là. On vient de lui enlever son œil. On vient de jeter d'ailleurs. Déjà ça commence bien, on se fait déjà attaquer à peine on commence. Donc on a trouvé un marteau. On va essayer de continuer, de toute façon on est obligé d'avoir le marteau là pour casser les planches. Allez, on va descendre. Parce que là on a atterri sur le toit d'un immeuble apparemment. Donc on a le QG qui est en contact avec nous, qui nous aide ou qui va nous porter secours. Et pour l'instant, il va falloir qu'on se démerde pour vivre. Donc là, il n'y a rien du tout. Je crois bien que ça sert à rien de regarder les pièces, en fait. Il n'y a rien d'intéressant. Absolument rien, donc on va continuer à descendre. On remarque quand même que tout a été pensé quand même. Ça a beau servir à rien, c'est quand même là et on peut quand même visiter. C'est pas mal d'exploration. Alors, on est en bas cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut casser? Voilà, les caisses, oui, bah apparemment. J'ai essayé de taper un peu dans n'importe quoi. Alors, on va suivre la rue parce que là, on est dans une sorte de ville abandonnée, hein. Y a plus personne, hein, à cause des aliens, des trucs comme ça. Pas de ceux qui ont atterri sur Terre, là. Je sais pas si on peut appeler ça des aliens ou des monstres. Ou quoi que ce soit. Attention, il y en a un qui nous arrive sur la tronche. Ah, raté. Voilà. Donc un coup de marteau, ça suffit à lui éclater sa tronche. Mais il faut bien viser au bon moment. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Hop. Là, il n'y a personne dans la rue, c'est bizarre. On se fait même pas attaquer. Oula, regardez ce machin là-bas. Ouais, con, il fait pas semblant d'être grand lui là-bas. Donc là, on a un petit point rouge qui clignote. Deux petits points rouges. Trois. Je me demande ce que c'est. Oh là, il y a encore des monstres qui arrivent. Voilà. Un monstre. C'est de la santé, d'accord. On s'approche de... Faut juste s'approcher, ça nous redonne de la vie. Vous voyez, je dois avoir 202, voilà, 203 de santé. En bas à gauche, on voit le petit cœur. 1500 en haut à gauche, par contre, ça doit être des points. Faut que je regarde quand on tape un monstre. Voilà. Ouais, c'est bien ce que je disais, c'était des points. Regardez, je suis à 2000. Est-ce qu'il faut faire un bon score? Sûrement. Et bon, s'il n'y a pas tellement d'aliens... voilà, encore un qui arrive. Attention. Voilà. Allez, encore un. Ça commence un peu à arriver. Voilà, tranquille. On remarque que dès qu'il y a des monstres dans les parages, la musique s'accélère. Enfin, change, on va dire. Voilà, écoutez, la musique qui change. Et dès qu'il n'y en a plus du tout, la musique redevient normale. Voilà, elle redevient calme. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas. On récupère encore un peu de santé, même si on a du mal à la perdre pour l'instant. On est en mode touriste, hein, je rappelle. C'est quand même normal qu'on meurt pas trop vite. Donc là, il y a encore de la santé. On continue, santé plus 2. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a rien, ouais. Non, non, non. Est-ce qu'on peut sortir ici? Oui. Mais, hop. Ah, la musique se met en route. La musique s'est mise en route. Voilà, non, ah oula, il y a un nouvel ennemi. Il nous tire dessus. Donc c'est pas top. On va essayer de lui fracasser sa tronche. Ah! Ah, faut très bien viser quand même. Si vous visez pas assez bien... Et eh ben vous passez facilement à côté, quoi, tout simplement. Voilà, santé plus de place. Au maximum, peut-être 208 la santé maximum. Ah tiens, un vaisseau. Qui vient de détruire l'immeuble devant moi. Ouais. Est-ce qu'il va s'en aller? Ah oui, bah voilà, il est plus là. Et il a juste détruit l'immeuble.
Il est arrivé, il s'est dit, tiens, je vais détruire un immeuble. Alors là, on peut pas passer, donc on va faire le tour. Ah, qu'est-ce qui se passe? Où il est? Où il est? Où il est? Ah voilà, ils sont là. Alors ça, c'est un jeu, voilà, où vous, qui vous fait accélérer votre rythme cardiaque. Là encore, ça peut aller. C'est vrai que c'est dommage qu'on ait pas de pistolet pour l'instant. On est obligé d'aller directement au contact de l'ennemi. Donc on perd pas mal de vie. Voilà. Alors il y a toujours des monstres un peu partout. Vous savez jamais vraiment où ils vont sortir. Voilà. Non, il y en a encore un quelque part. Voilà, il est là-bas. Il suffit de regarder la balle d'où elle vient. Un ici. Et un ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a un peu de la vie là-bas. Hop. Ah non, c'est pas de la vie. Ah si. Santé, plus de place. Donc voilà. Où est-ce qu'on peut aller là-bas? Il y a un truc bleu qui clignote. Je sais pas ce que c'est, le truc bleu. Ah, au mur plus 10. Ok, donc ça augmente notre défense. Vous voyez, en bas à gauche, on a un indicateur avec, avec la défense, 10. Parce qu'on va gagner, quoi. Où c'est que je dois aller, maintenant? Bon, là, il n'y a rien. Voilà. Je ne sais pas où je dois aller. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Là-bas, peut-être là-bas derrière, non? Il n'y a rien du tout. On va revenir. Ah merde. Donc là, il doit y avoir un passage quelque part. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Là, peut-être ici, non? On va peut-être tourner en rond. Non, bah là, on peut pas passer, hein. C'est beau, je peux pas sauter, n'importe. On va revoir si on est, si on s'est pas gouré de chemin en route. Ça aurait été bizarre puisqu'on a croisé des monstres, mais... On va aller voir, est-ce qu'il y a quelque chose là derrière? Non, c'est pareil, c'est tout effondré, on peut pas passer. Comme si on pouvait pas monter sur des tas de gravats. Franchement. Ça, c'est vrai que c'est pas tellement logique à ce niveau-là. Il vous montre des murs, on va dire. Des passages où on peut pas passer. Sauf que c'est juste un tas de gravats. Logiquement, si vous aviez des jambes et un peu d'intelligence, vous passeriez dessus. Hop, donc là, il y a encore un peu de la vie. J'avais pas vu. Mais on s'en fout. On va pas s'amuser à récupérer toutes les vies qu'on voit. On en a 200. On risque pas tellement grand chose pour l'instant. Voilà, je suis en train de revenir là d'où je viens de tout à l'heure. Là, c'est le monstre qui avait cassé le mur. Là, c'est ici où on sait qu'on avait vu le géant qui était passé là-bas. On est en train de revenir au début. Je suis pas sûr que ce soit une super bonne idée. Est-ce qu'on peut casser ça? Non. Enfin, oui. Oui et non, parce que derrière, il y a un tableau hein, en fer. Enfin, une grille en fer. Je sais plus ce que je dis. Je suis à 7300 points. C'est parce que je sais pas si c'est bien. Dans tous les cas, si on les tue, les monstres, on est obligé de les tuer pour avancer. Et si on les tue, on gagne autant de points, alors je sais pas. Est-ce que quand on prend des coups, on en perd? Est-ce qu'il y a une façon de les tuer? Ou alors une rapidité, il faut être plus rapide. Voilà, donc on va courir là, parce qu'on va revenir là où on était. Il devait y avoir forcément un chemin là où on était. Comme j'ai pas envie de passer 3 heures à chercher mon chemin. Non, là, il n'y a rien. Donc là, on reprend en fait le chemin qu'on a pris tout à l'heure. On atterrit sur la grande rue. Hop. On va continuer. Là-bas, il y a le tas de gravats devant. Où c'est qu'il y a l'immeuble qui s'est effondré plus loin. Hop, donc là il n'y a rien du tout, on est bien sûr, moi. C'est bien le tour, hein. Ouais, je peux pas casser. Hein. Je vais même pas casser ce portail en fer. Donc là on peut pas passer sur ce tas de gravats, c'est sûr et certain. Non. Pareil, les murs ils sont pas tellement hauts. Hein. Si on était un peu intelligent, on monterait par-dessus le mur. Là il n'y a rien. Alors. On peut pas casser les murs non plus. D'ailleurs, on a une grosse masse, mais on peut pas casser les murs. Une remarque simple. On va retourner là-bas. Attendez, il y a un truc bleu là. Tiens, je l'avais pas vu. Ah là, armure. Plus 1. Ouais. Est-ce que ça joue bien quelque chose? Je sais pas.
Non, on a rien, on fait le tour. Ah, mais je suis con, regardez. D'accord. Et oui, en plus, je l'avais vu, je l'ai vu tout à l'heure. Cette grande rue, voilà, on a gagné une arme. Attention, attention, un kamikaze. Écoutez. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hop là. Les kamikazes, c'est des mecs avec des boulets sur les mains qui courent très très vite. Et le son, vous savez jamais d'où il vient. Ah, hop, il y a une tire dessus. On sait jamais d'où il vient, il a crié, il fait ah, ah, ah. Et moi j'ai un casque. Casque, un très bon casque. Et il n'y a aucune différence entre. Là, c'est pas un son stéréo. On sait pas s'il vient de la gauche, de la droite. On sait rien du tout. Ça fait un bruit mono, tout simplement, de, qui vient de partout en même temps. Et donc je vous dis pas à quel point ça peut être. Un prétexte pour stresser et pour devenir super actif d'un seul coup, quoi. Hop là, donc ça y est, on peut continuer un peu le jeu. Alors là, rien. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je sais pas. On va continuer à avancer. Ah, vous entendez le kamikaze? Le kamikaze, ah là, il vient d'où? Ah bah ça va, ils viennent de là. Vous voyez, ils ont des gros boulets dans les mains, hein, et dès qu'ils viennent sur vous, ils explosent. Donc ça, c'est un truc qu'on a vu tout à l'heure, mais là, avec des balles, il faut y en tirer plusieurs. Parce qu'il est, il est trop gros maintenant. Ah, les ennemis, là. Il y a encore un truc bleu là-bas à gauche. On tire dessus. Hop, armure plus 10. D'accord, donc l'armure, c'est une sorte de truc qui absorbe les dégâts. Au lieu que ça nous mette des dégâts, ça va dans l'armure. Hop là, on gagne un peu de vie. Santé plus 5, c'est plutôt pas mal. Allez, lui là-bas. Ah, il veut pas. Crève. Est-ce qu'on a une limite de balles? Je pense pas. Y a pas de compteur pour les balles. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Ah, attention, kamikaze. Où c'est qu'il vient? D'où c'est qu'il vient? Là-haut. Là-haut. Hop, on le tue. Put a sock in it. Tais-toi. Oh merde. Voilà. Oh attention, regardez-moi tous ces kamikazes de fou. Donc technique, c'est que quand vous en détruisez un, il explose. Et donc s'il y a ses collègues à côté, ils explosent avec. Hop là. Hop. Tous ceux qui viennent, regardez. Ah, il y en a qui venaient du côté. Vous les voyez jamais, vous savez pas d'où ils venaient. C'est absolument impossible de savoir d'où ils viennent. Donc là, avec la fumée et tout, vous savez pas d'où ils viennent. Regardez, il y en a un qui vient derrière. C'est un peu stressant comme. Regardez, il y en a un qui vient, je sais pas d'où il vient. Il est où? Ah, vous voyez, il était arrivé par la droite. Il court tellement vite que vous savez jamais. Alors, où c'est qu'on atterrit là? Hop. Ça, c'est un. Un grand boulevard. Quinn, I've got a visual on the chopper. Là, il y a l'hélicoptère qui s'est crashé. In pieces. Hop, en morceaux. Any survivors? Negative. It's too hot out here to hang around. Il y a que moi qui ai survécu. Professor Stein. Copy that. Watch your six. Donc là, je peux pas le récupérer, je suis déjà au maximum. It's about to be full of dead aliens. Ah bah, il y a de la vie. Hop, il y a des ennemis aussi. Il me semblait bien que ça serait pas si facile. Hop là. Ah, par contre, ça peut être inquiétant parce que c'est comme c'est une grande place. Là, ils peuvent vraiment être partout. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas trop de kamikazes là. Sinon, ça va être impossible. Hop là, on me tire un peu de partout. Ce qui est bien, c'est que pour les tirs, c'est pas tellement précis, mais on touche quand même. C'est vachement aidé, peut-être que c'est parce que je suis en mode touriste. Regardez, ils sont derrière moi, je sais qu'ils viennent. C'est pas tellement précis. Attention, un kamikaze qui arrive. Il vient d'où? Il vient de là. Hop. Regardez-moi tous ces kamikazes. Ça, c'est le truc le plus horrible dans ce jeu, c'est les kamikazes. Ça vous fait devenir fou. Ah. Regardez, je sais qui vient. Je sais pas. Je me tourne. Ah là, il était déjà là. Il était déjà devant moi. C'est un truc de fou, hein. C'est quelque chose assez impressionnant. Mais ils arrivent à une vitesse où vous savez jamais d'où ils viennent. Ils courent trop vite. Allez, il y en a un là.
Il y en a un côté. Et puis vous pouvez pas leur échapper, hein, ils courent vite, hein. Ils courent beaucoup plus vite que vous. Regardez toute cette fumée. C'est fait exprès, hein, la fumée qui nous en empêche de voir les prochains. Donc là-bas, on a des ennemis, ça gueule encore. Il y en a un qui arrive là, donc celui-là, c'est bon, je l'ai vu. Hop, hop. Où c'est qui vient? Ah, là, bien. Regardez. En 3 secondes, il était à côté de moi. Non. Oui, ça vient d'où? Hop là. Voilà. Ça y est, il n'y a plus de kamikaze. Oh, des monstres. Voilà. Hop. Oui, ils sont à la chaîne là, il faut reculer en même temps, sinon ils vous rattrapent. Voilà. On a déglingué 4 quand même. Donc voilà. On va pas aller plus loin pour Serious Sam 3. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.